عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, on va commencer un cours de production écrite. On parlera bien sûr du texte argumentatif qu'on doit travailler en 8 étapes. Bien sûr, le public visé, c'est la première année baccalauréat. On commence par la première étape. Bien sûr, dans le jour de l'examen, on a notre sujet. On doit le lire et souligner, entourer les mots-clés qui sont très très importants afin de les utiliser dans notre introduction essentiellement et dans les autres parties de notre production. D'abord, d'après la lecture de l'introduction, on doit bien sûr choisir notre plan. Est-ce que je dois défendre? Est-ce que je dois condamner? Est-ce que je dois être pour? Est-ce que je dois être contre? Alors je me positionne, je choisis une position. Bien sûr aussi, est-ce qu'il s'agit de réaliser un texte en deux parties? Est-ce que je dois parler des personnes qui sont pour et des personnes qui sont contre en même temps? Alors c'est le rôle de la lecture bien sûr du sujet. On doit bien sûr choisir entre écrire un plan simple et un plan dialectique. Alors, dans le plan simple, on présente trois arguments, soit ils sont pour, soit ils sont contre. Et dans le plan dialectique, on présente minimum deux arguments pour et deux arguments contre. Alors, en ce qui concerne la deuxième partie, ou bien la deuxième étape, on parlera des arguments. Alors, la deuxième étape, c'est l'étape la plus essentielle. Pour commencer, il faut tracer un tableau dans lequel, comme vous voyez au-dessous, il y a des arguments et des exemples. Dans mon brouillon, j'écris l'argument et je cherche l'exemple qui vient avec. Soit exemple, soit explication. Et je peux bien sûr prendre 20 minutes à préparer cette étape parce que c'est l'étape la plus essentielle et je dois bien sûr mettre en ordre mes arguments du moins fort au plus fort, ou bien du moins convaincant au plus convaincant. Je laisse l'argument le plus fort vers la fin. Exemple, si je choisis un plan simple, j'écris mes trois arguments avec les trois explications et je les mets en ordre. Troisième étape. Alors, il faut organiser les idées dans un plan. Alors, comment écrire ce plan? C'est très simple, bien sûr. Dans un sujet de production écrite, on a toujours trois parties, introduction, développement et conclusion. On doit respecter ces trois parties. Il ne faut pas sauter la ligne après chaque argument. Exemple, je fais premièrement Antigone est courageuse. Je reviens à la ligne pour écrire deuxièmement Antigone et ne respecte pas la loi de Créon. C'est faux. Il faut continuer, il faut faire une seule partie. Alors, la différence se fait dans le plan dialectique. Si j'écris un plan dialectique, je fais pour et contre, mais je ne reviens pas à la ligne. Je ne saute pas une ligne. Je reviens seulement pour écrire les arguments de l'antithèse. Et il faut respecter, bien sûr, les trois parties. Il faut avoir dans sa production trois parties. Étape numéro 4. Alors, j'ai écrit mes arguments dans mon brouillon, dans le tableau. J'ai choisi les exemples et les explications. Maintenant, je n'ai qu'à lier, faire des liaisons entre les arguments. Alors, c'est quoi l'outil utilisé? Ce sont les liens logiques. Alors, si je commence un plan dialectique, je fais d'une part et je présente les arguments pour, par exemple, et d'autre part pour présenter les arguments contre. Alors, pour les arguments, j'utilise d'abord, ensuite, etc. Alors, cinquième étape. Alors, j'ai terminé le plus essentiel, c'est le développement. Je passe à l'introduction. Alors, dans l'introduction, elle se compose de deux parties. Je présente le sujet, ça veut dire j'utilise les mots qui sont entourés, soulignés dans mon sujet, que j'ai déjà souligné dans la première étape. Et on va revenir, bien sûr, en détail à expliquer chaque partie seule, bien sûr. Deuxième partie, c'est la question, bien la problématique. Alors, des conseils, bien sûr, pour ne pas tomber dans les erreurs. Il ne faut pas donner des arguments dans l'introduction. Il ne faut pas donner son point de vue dans l'introduction. Il ne faut pas utiliser dans la problématique, dans la question,
les pronoms personnels je, tu, nous, vous. En général, on pose des questions, alors qui a raison, est-ce que c'est un bon comportement, etc. Et dans l'introduction, on utilise généralement le pronom personnel on. On voit dans nos jours, etc., dans notre société, dans la problématique, bien sûr. Et dans l'introduction en général. Alors, pour ne pas tomber dans les erreurs, comme j'ai dit, il faut respecter ces quatre points. Et il faut, bien sûr, faire une introduction qui est proche au niveau de la taille à la conclusion. Il ne faut pas écrire deux lignes dans l'introduction et écrire, par exemple, cinq lignes dans la conclusion. On passe à l'étape numéro 6. Alors, comme vous voyez à droite de la vidéo, il y a un schéma, on va dire un dessin de la production. La production elle doit se composer de l'introduction, ce qui se termine par un point d'interrogation, comme vous le voyez, c'est la problématique. Un développement qui est plus ou moins long que les autres parties, et la conclusion qui ressemble bien sûr au niveau de la taille de l'introduction. Et ma production se composera de trois parties. Alors vous pouvez ensuite recopier l'introduction, oui, après avoir sauté une ligne, et recopier le développement. Ça veut dire après chaque partie, je saute une ligne. Étape numéro 7. Rédiger la conclusion. Alors, la conclusion, c'est quoi? C'est le bilan du devoir. C'est une récapitulation. Alors, il faut toujours commencer son introduction par un lien logique de conclusion. Exemple à droite, vous voyez qu'on a utilisé en guise de conclusion. Pourquoi? Parce que la plupart des élèves, ils utilisent dans la conclusion « enfin » ou bien « finalement ». Alors, pour se distinguer, pour faire une production un peu distinguée des autres, il faut un peu changer parce qu'il y a beaucoup de liens logiques de conclusion. On va voir après dans une autre vidéo pour bien expliquer la conclusion. Alors, il y a bref, il y a enfin, pour, conclure, en guise de conclusion, etc. Alors, après le lien logique, j'écris ma conclusion, j'écris un conseil. Peut-être mon point de vue, c'est si je ne l'ai pas écrit dans le développement. Avec une ouverture vers la fin, je pose une question ouverte. Étape numéro 8. Alors, c'est la relecture. Profitez-en pour relever les incohérences et les corriger, puis vérifier l'orthographe. Alors, la dernière étape, c'est relire son sujet pour corriger s'il y a des erreurs, s'il y a des fautes, s'il y a des phrases qui ne sont pas, bien sûr, cohérentes. Si j'ai avancé un argument plus fort au début, je le fais à la fin. Alors, merci de votre attention et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge en bas, s'abonner pour bien sûr écouter, entendre et voir les autres vidéos de la chaîne. Merci beaucoup.